Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet simple, c'est la colère du peuple anglais. Les Anglais, finalement, en ont eu marre de cette immigration. Et je connais bien ce pays où la tolérance est une vérité, mais trop, c'est trop. Le meurtre par un migrant de petite fille à coups de couteau, un meurtre sauvage et barbare, il faut le dire, sauvage et barbare. Au nom vraisemblablement d'une religion qui ne prône absolument pas le bien vivre ensemble et qui n'est pas cette religion d'amour que la gauche nous vend depuis tant d'années en France. Alors, les Anglais ont fini logiquement par craquer et les rues se sont embrasées un peu partout au Royaume-Uni. Et croyez-moi, c'est vraiment que le ras-le-bol devait être total parce que de braves citoyens qui descendent ainsi dans les rues et qui s'énervent comme cela, c'est que ils ont atteint l'ultime étape pour y arriver. Et donc, pendant ce même temps, les médias poursuivent inlassablement leur travail de sape et de propagande contre la France, entre autres, évidemment, et contre toutes les nations qui veulent se défendre. Ils ont tout de suite déclaré qu'il s'agissait de manifestations organisées par l'affreuse, terrible extrême droite. Donc, pour nos médias et la gauche, il est impensable d'aimer son pays. C'est un crime. Il faut le comprendre. C'est très important. Cela explique tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Les manifestations selon les SM ou Saints Médias seraient en fait du racisme, de la xénophobie, l'un n'allant pas sans l'autre. Mais trois fillettes sauvagement assassinées pour nos médias, n'est-ce pas un mobile suffisant? Eh bien non. Eh bien non, parce qu'on ne cherche pas ce qui s'est passé. On dit ce que l'on veut faire entendre aux gens. Et c'est de la propagande pure et dure, c'est de l'idéologie. Et cette idéologie, elle est pourrie. En résumé, la gauche, elle est humaine. Elle est vertueuse, elle est progressiste, elle est wokiste. Mais elle n'aime pas son pays, et encore moins ceux qui l'aiment. Mais heureusement pour la gauche, il y a le grand méchant loup de tous les dangers, l'extrême droite. Et je rappelle quand même ici qu'on qualifie d'extrême droite des gens comme, par exemple, Marine Le Pen et Zemmour. Alors que franchement, ils aiment leur pays et point barre. Hein, c'est un crime pour la gauche, mais ce n'est pas un crime du tout. Mais c'est comme ça. Alors, l'extrême droite, pourtant, n'utilise pas la terreur, les couteaux, les bombes pour s'exprimer. Vous n'avez jamais vu d'agression quand même au couteau comme ça d'enfants, hein? Sans retenue, sans rien, sans mobile autre que la religion, bien sûr. Mais dans un monde où le mensonge et la lâcheté sont au pouvoir depuis tant d'années, le vrai danger, c'est, et vous l'avez compris, l'extrême droite. Pour les partis qui sont au pouvoir, à côté du pouvoir et peut-être bientôt au pouvoir, c'est-à-dire pour toute cette gauche, ces partis de gauche dominateurs, méprisants, racistes, ouvertement antisémites et haineux. Eux, ils le disent, le danger, c'est l'extrême droite. Alors que le vrai danger aujourd'hui, pour un pays comme la France, c'était le cas d'ailleurs en Angleterre, ce sont ces gens-là de cette gauche qui n'aiment pas son pays, je le répète encore. Donc, je vais conclure maintenant, comme d'habitude, en vous le disant, mais c'est tellement vrai, on est mal, on est de plus en plus mal. Et j'avais écrit un article qui s'appelait « 2026, l'année où ?» parce que j'avais pris 2026 parce que ce sont les élections municipales. Et je l'ai écrit en 2012, réécrit après pour le mettre au goût du jour. Il a été publié dans le monde entier, « 2026, l'année où ?» et qui disait ce qui est en train d'arriver. Pour ceux qui ne le croient pas encore, je vous invite à regarder les élus de la liste LFI en 2024 et de certaines villes où les maires sont déjà en train d'appliquer discrètement peut-être, pas trop même, la charia. Donc on en est là en France, on est en 2024, il reste moins de 2 ans, puisque les élections municipales en général c'est en mars, pour que le couperet tombe
et il va tomber. Voilà, je voulais vous le dire et j'espère que vous allez partager cette vidéo parce que nous, on a vraiment du mal à se faire connaître. Il se trouve que les gens qui défendent leur pays, ça passe pas bien, c'est pas très intéressant. On préfère ceux qui crachent dessus, ceux qui ont la haine, ceux qui sont racistes, ceux qui sont antisémites. Eh bien, à ceux-là, je leur dis, allez vous faire voir.